Mais là, je fais juste des tries sur le boss de fin du DLC pour ne pas perdre la main et voir si éventuellement il tombe. Hein. Je ne suis absolument pas chaud. Radahn ne fait pas de dommages de sacré, mais autre chose. Alors si. Complètement si. Radahn, on parle pas de... Bad, on parle pas de Radahn du jeu Vanilla. On parle de Radahn du DLC. Et j'ai pas envie de spoiler. Oui, parce que là, attention les gars. Hein. Je suis au boss de fin du DLC. Donc, si vous êtes en train de faire le DLC, là, ça va vous spoiler le boss de fin. Merde, j'ai pas activé ma rune. Bon, c'est pas grave, on en a pas besoin. Et bah ça c'était du try. Et de 1. Oh, le try de chauffe, il est moche. Hein. Il était moche mais j'avais pas activé ma rune donc c'est pas grave à la limite. Faut se remettre dedans. Bah oui, j'ai pas touché au jeu depuis dimanche. Hein. J'ai pas touché au jeu depuis dimanche. Allez, saloperie. Merde.
Dommage. Allez, deuxième try. T'as un talisman qui augmente ta def proportionnellement à ton poids d'armure. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas s'il serait mieux que le... Après, le problème, c'est que je peux pas... Je peux pas... En vrai, ils sont tous indispensables, ceux que j'aime. C'est moche ça. Merde, j'aurais pas dû taper. Ouais, ça va pas passer niveau popo. Pas Dying Light, si, je fais juste des tries.
Je vois rien. Jamais j'y arriverai celle-ci. Ouais, ça passera pas au niveau popo. Dommage.
Fuck. 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 Oh la vache. Oh putain, la vache. Oh putain. Oh, oh merci pour les GG dans le chat. Oh merci beaucoup. Oh merci Seigneur Apodis pour les 10 subgifts. Merci à toi. Oh putain. Tu l'as fait, Pazouzette, putain. Oh, merci. Merci, Mr. Nobody, pour les 5 subgifts. Merci à Papé Tréfon pour le subgift. Et merci à Nagil Kill. Merci beaucoup pour le subgift aussi. Merci beaucoup. Mais la vache. J'y ai pas cru, hein. J'y ai pas cru une seconde, ce try. Et j'ai été sauvé par un objet, en l'occurrence. C'était quelqu'un dans le chat qui m'avait fait remarquer ça. J'avais plus de potion, hein. Et j'ai utilisé une potion de Marika, je crois. Des fois, tu peux en avoir une sur toi. Et je l'ai utilisée, sinon j'étais mort. Et heureusement qu'elle était là. Hein. Et merci, Olimes. Merci beaucoup pour le subgift. Merci à toi. Putain, on l'a bonké, quoi. On l'a bonké comme tous les autres. Souvenir de Radan. Consort de Mileka façonné par l'arbre occulte, l'augure des doigts pour extraire le sommet, ouais. Alors qu'il n'était encore que des enfants, Mikaela décelait en Radan la stature d'un seigneur. Sa force physique et sa bonté tranchaient nettement avec les mots qui les affligeaient tous les deux. Ainsi, Mikaela formula le vœu sincère que Radan devienne un jour son consort. Et je suis maudit par Mikaela là. Attends. Hop là. Elle m'avait maudit avec un bisou. Et merci Zigouigoui, merci beaucoup pour le sub, pour le resub des 5 mois, merci à toi. On l'a bonké quoi. Et je vais où? J'imagine que je dois aller quelque part, mais... C'est fini? Ah mais y a pas de générique de fin? Ah si, c'est ça.
Du coup, on passe en Elden Ring en catégorie. Bon, non, 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 non. En fait, Rick, on finit ça et puis de toute façon, on passe à Dying Light. Donc. On va te bonquer toi aussi. Tu te faire bonquer. J'en reviens toujours pas, putain. J'ai gagné la couronne de lumière. Bon, enfin. Enfin une couronne pour Pazuzette. Couronne de lumière qui cerclait la tête de Michaela quand il revint à son aspect divin, qui commence désormais à s'affaiblir et disparaître, augmente légèrement l'intelligence, la foi, l'ésotérisme de son porteur, tout en amplifiant la puissance de la lumière de Michaela. Cet anneau devait être au fondement de l'âge de compassion que Michaela essaya en vain d'amorcer. C'est quoi, c'est un truc pour ma tête? Ah mais ça augmente mon intelligence, pas zouzou. Fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. On est censé être con. Ah, je suis passé à 11 en intelligence. Tu sais dire un mot maintenant? Toujours pas, hein. Par contre, on va t'enlever cette armure ignoble. Remets-toi à l'armure de la solitude. Ça t'allait très bien, l'armure de la solitude. T'as des nouveaux trucs chez la vieille, du coup. On va aller voir la vieille. Oh là là, on l'a fait quoi. Tu fais très Aragorn là. Ouais, Aragorn fatigué par contre, hein. Attends, mais il y a du loot là. C'est qui ces types? Ah, mais c'est les types que je pouvais invoquer, ils sont morts. Ils se sont même pas battus, ils sont morts. C'est du génie. Tiolier, il est mort. Et lui, il est mort. T'as réussi le boss? Oui. 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 Oh là là, j'y croyais absolument pas. On a fait quoi? 3 tries? 3 tries? Et merci DLM, merci beaucoup pour le prime des 11 mois. Merci à toi. Une grosse épée de gros bourrin. Bon, t'es où? Bah voilà. Oh, c'est pas assez gros. Hein. Je suis désolé, c'est pas assez gros. Non, on l'a fait. Le marteau, toujours, toujours. Toujours le marteau. Eh bien, écoutez. C'est la fin. Regarde l'armure que laissera Dan. Ah, il a mis une armure aussi. Oh, mazette. Homme du jeune lion. Armure du jeune lion. Gantelet du jeune lion. Et les jambières du jeune lion. Putain, je vais te voler tes fringues, mec. Je vais te voler tes putains de fringues. Après toute la souffrance que j'ai endurée à cause de toi, je vais te voler tes fringues.
Mais je vais garder quand même, parce que Mikaela, j'oublie pas qu'il m'a fait un bisou. Du coup, je vais quand même garder une sorte de trophée, tu vois. Je vais sortir le trophée de Mikaela. Tac. Voilà. On va se quitter comme ça, pas Zouzette. T'as encore dominé, tu vois. C'est bien. T'as détruit le monde une nouvelle fois. Tu peux être fier de toi, pas Zouzette. Regarde. Regarde ton antre brûlé. Ton monde qui brûle. Félicitations. Eh bien. On l'aura fait. ...121 heures pour pas Zouzou. Ah la vache. Eh ben j'aurais galéré. Hein. J'aurais galéré sur ce boss. Je crois que j'ai jamais autant galéré sur un boss, putain. J'aurais pas misé un copec hein, sur aujourd'hui. Du coup, t'avais raison. Trop de cheveux pour le boss. C'est ça. Plus dur que Malenia. Bien plus dur à mon sens. Bien plus dur que Malenia. Malenia, j'avais galéré, mais j'envoyais le but, tu vois. Lui, j'ai passé quand même beaucoup de P2 à juste galérer de ouf, hein. Ça avançait pas. Je me faisais juste laminer la tête. Non, il était bien plus difficile. Ouh. Salut Alvia. Je viens d'arriver, t'as réussi à battre le boss? Oui. Oui, oui, on a fait quelques tries avant de lancer Dying Light. On a eu... on a fait 3 tries, je crois. Et il est enfin tombé. Il est enfin tombé. Ce salaud. En tout cas, GG. Mais merci beaucoup. Merci à vous, le chat. Hein. Vous m'avez vu descendre en enfer et vous êtes resté là à m'épauler, tu vois. Vraiment la chute, quoi. Ah la vache. Bon. Sur ces beaux mots, on va aller buter du zombie. On a Dying Lights à finir. Et The Following, l'extension de Dying Lights, a commencé.